Salut les gars, nouvelle vidéo. Il est bientôt minuit, je suis super fatigué donc je vais aller au lit. En ce moment, je suis tout le temps fatigué, je sais pas pourquoi. Le matin, j'arrive tout simplement pas à me lever pour faire ma morning routine et bosser un peu avant d'aller en cours. Et ça m'énerve beaucoup. Donc voilà, je vais aller au lit. Désolé pour la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout, pas de vidéo cool comme celle d'hier. Par exemple, celle d'hier, elle était bien. Genre, ça m'a pris du temps à faire la vidéo là, j'ai mes vues qui chutent un peu, mais comme j'ai dit dans une autre vidéo avant, que j'avais fait avant, cette chaîne, elle sert à quoi? Cette chaîne, elle est là pourquoi? Elle est là pour documenter mon parcours de trader de zéro jusqu'à multimillionnaire, jusqu'à trader professionnel qui maîtrise les marchés, qui domine les marchés, qui vit la vie de ses rêves avec son activité qui est du coup trader les marchés quoi. Donc ma chaîne elle est là pour vous montrer mon parcours de tout. Là j'ai commencé une petite série de vidéos une petite série de vidéos ouais. Elle sera pas petite du coup, mais de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Donc voilà, mes vues ils chutent un peu, mais je m'en bats les couilles. Même s'il n'y a que 10 personnes qui regardent, je m'en fous en fait des gens qui regardent. Je suis juste là pour documenter le parcours et de montrer le processus. Je veux montrer le putain de processus. Et ça m'aide d'avancer encore mieux que de juste faire ça tout seul et garder tout pour moi-même et pas me parler et pas développer mon éloquence et tout ça. Donc voilà. Ouais, je vais aller au lit. Juste retenez une putain de chose, je vais putain de tryhard cette chaîne-là. En fait, le problème quand je fais pas des bonnes vidéos, en fait la raison pour laquelle je fais pas des vidéos quand ça arrive, c'est parce que j'ai passé une journée de merde en fait. Enfin, c'est pas que c'était une journée de merde, mais une journée de merde dans le sens où genre en mode genre par exemple j'ai pas fait ma morning routine ou alors j'ai pas pris de trade ou alors j'ai perdu un trade ou enfin je sais pas ou alors là, cette vidéo-là, c'est juste, je vous parle, elle est rapide, je vais la couper bientôt, et puis voilà quoi. Donc là, vidéo d'aujourd'hui, enfin, j'ai rien à vous montrer, donc voilà, je vous parle juste de ça. Et n'oubliez pas une putain de chose, je vais pas arrêter ces vidéos, je vais tryhard la chaîne, je ferai tout le temps des vidéos toute ma vie, peut-être, bon, quand même, peut-être pas à mes 40 piges, 50 piges, mais vous voyez, par exemple, vous regardez les traders qui ont entre 20 ans et 30 ans, vous voyez, il y en a pas mal, ils font des vidéos, ceux qui n'ont pas besoin de faire des vidéos et tout, ils en font, mais bref, donc en tout cas, ce qui est sûr, vous inquiétez, enfin, je m'en fous, juste là, par exemple, j'imagine qu'il y a même pas 5 ou 10 personnes sur ma chaîne, mais juste, je ne vais pas arrêter de faire ces putains de vidéos, je vais montrer, je vais tout montrer, je veux tout montrer, je veux montrer mes journées. Comme ça, je montre à moi-même que je suis capable de faire des journées disciplinées, de faire de mon max pour faire ce qu'il y a à faire pour atteindre mes objectifs, parce que j'ai des putains d'objectifs à atteindre et j'ai des rêves à atteindre, j'ai des rêves à faire, j'ai des. Donc, je vais aller au lit et j'espère vraiment, mais j'espère vraiment que demain matin, j'arrive à me lever à l'heure de mon réveil. Que je fasse ma putain de morning routine et que je bosse sur ce que je suis en train de bosser parce que du coup là je suis en train d'apprendre les fondamentaux en trading parce que je suis un trader 100% technique et je connais que dalle aux fondamentaux donc je suis en train d'apprendre ça là. Puis voilà. Donc ma chaîne elle est vraiment là pour tout montrer, tout montrer. Même si c'est fait n'importe comment, je veux vous faire des bonnes vidéos comme ça j'attire des gens et puis voilà comme ça. Comme ça, au moins, autant profiter pour voilà, faire des vues et tout. Enfin, c'est cool. Faut pas rester à 5 et 10 vues à chaque fois, quoi. Mais en tout cas, je vais vous faire ça, peu importe comment c'est fait. Je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible, comme ça. Ça fait du contenu. Mais de base, c'est vraiment cette chaîne, elle est là pour tout vous montrer. Même si c'est vraiment les vidéos filmées au KidiZoom en 60 fois 80 pixels. Au moins, il y a le putain de parcours, il y a tout. Donc je vais tout vous montrer, je vais documenter mon parcours de rien du tout, de broquis à multimillionnaire. Voilà.
Valoli. Et voilà, allez, salut et à demain. Je voulais dire quoi? Je sais plus. Nique sa mère.